Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons faire la guidance du mercredi. Nous allons voir si les énergies de ce mercredi et de cette guidance correspondent avec les énergies que l'on a vues dans le tirage que j'ai proposé pour cette semaine. Alors j'ai pris l'oracle mystique du chaman. Donc on va bien mélanger les cartes. Donc, nous avons le courant renversé, le serpent, carte renversée, et l'eau, la carte est renversée aussi. On a quand même des cartes qui se correspondent, hein, l'eau, le courant, le serpent qui rappelle la surface de l'eau avec ses ondulations, et des coloris, hein, des tons bleu-vert aussi. Donc, on va commencer avec le courant. Alors, le courant, c'est le mouvement naturel de l'eau, avec les marées, par exemple, qui modifient le paysage et permettent l'organisation de la vie. On a le courant des rivières, les fleuves qui se rejoignent pour se jeter dans la mer, les sources qui se faufilent, se renforcent de minéraux, suivant les lieux qu'elles traversent, et finissent par jaillir. Donc, on peut dire que le courant, il nourrit, il transforme, il permet la vie et amène vers une destination. Ici, la carte est renversée. Ça signifie que vous ne suivez pas ou plus votre courant, votre voie, votre chemin, ou votre environnement est chamboulé. On peut voir un sentiment d'impuissance face à des changements brutaux ou des obstacles qui perturbent les habitudes, qui perturbent le courant de votre vie, ce qui donnerait envie d'essayer de se raccrocher, de lutter. Mais c'est inutile, ça ne sert à rien de nager à contre-courant. Donc ça peut être un événement extérieur que vous subissez, comme une situation qui change brutalement, mais ça indique surtout que quelque chose dans votre vie ne vous correspond plus, ne vous nourrit plus. Peut-être que vous travaillez dur et que vos efforts finalement ne vous mènent nulle part. Vous manquez de reconnaissance malgré tout ce que vous faites, ou vous ne vous sentez pas à votre place. Vous avez besoin d'un environnement différent pour vous épanouir. On a ici un déséquilibre, un désordre, et vous avez besoin de changer certaines choses. Donc il est conseillé quand même de se détendre face à la situation et de revoir ses plans. Revoyez vos objectifs, revoyez vos habitudes, votre façon de faire, votre façon de vivre. On a ici besoin de réorganisation. C'est une période qui peut être effrayante, troublante, car vos habitudes sont perturbées, mais ce sera très bénéfique pour vous. Ayez confiance, car quelque chose de mieux vous attend. Ensuite, on a le serpent, la carte est renversée. Le serpent, c'est la passion qui s'exprime, c'est la connaissance, la guérison, le renouveau avec Samu qui laisse quand il évolue. La carte est renversée, ce qui indique qu'il va falloir se détacher du passé pour avancer. Peut-être que vous restez dans des situations, vous supportez les choses par habitude et vous n'osez pas rompre ces habitudes, vous n'osez pas couper les liens avec certaines personnes, peut-être aussi, tout simplement par peur de déranger les autres, de déranger le cours de leur vie, par peur de choquer. Donc vous supportez des situations parce que c'est ainsi et ça l'a toujours été. On a aussi ce besoin inconscient de vouloir plaire aux autres à tout prix. Vous avez ce besoin de vous sentir apprécié des autres. Alors vous faites les choses pour être bien vu en quelque sorte et c'est étouffant. Il y a un manque de confiance en soi, donc on vous demande de vous écouter vraiment, de prendre votre vie en main, de vous construire, de plaire d'abord à vous-même. Tout le monde a des obligations, mais trouvez l'équilibre et faites des choses qui vous correspondent. Alors faites comme le serpent, laissez votre ancienne mue, révélez-vous. Et justement avec l'eau, alors la carte est renversée, ce qui exprime ce besoin de nettoyage, de purification, qui vous dit de vous libérer des énergies toxiques qui vous empêchent d'évoluer, ces situations, ces schémas comportementaux, ou les liens qui vous encombrent et qui vous pèsent. On est ici dans la transformation, comme l'enfant en devenir dans le ventre de sa mère. L'eau renvoie au liquide amniotique, reconstruisez-vous, vous connaîtrez une renaissance. Révélez qui vous êtes vraiment. On vous invite à apparaître tel que vous êtes et de vous épanouir pleinement. Donc on a quand même des énergies qui rejoignent justement les énergies que l'on a découvertes dans les tirages de la semaine. On vous demande vraiment de vous prendre en main. Il y a vraiment une transformation qui est attendue, qui est en cours. Vous allez devoir réorganiser votre vie pour qu'elle vous corresponde mieux, pour que vous puissiez vivre en harmonie et vraiment vous épanouir, vous révéler. Donc voilà, c'était la guidance du mercredi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous aider. Alors je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.